Bref, comme tous les matins, je me réveille, je regarde l'heure, 9h30, je me dis que je peux bien dormir encore 5 minutes, je me rendors, je me re-réveille, je re-regarde l'heure, 9h30, je me suis dit que l'horloge me prenait vraiment pour un débile, mais j'ai compris qu'après qu'il était 14h et qu'en fait c'était la pile qui était morte. Du coup, je file à la douche, je m'habille, je prends mon petit déj devant la télé en regardant les Totally Spies et direction la salle de sport. J'ai commencé à courir sur le tapis, mais au bout de 5 minutes, j'étais déjà fatigué, j'ai tourné la tête et là j'ai vu cette fille sur l'affiche. Elle était belle, j'ai décidé de m'approcher d'elle pour voir ça d'un peu plus près. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Est-ce que tout va bien, monsieur ? Oui, je cherchais... En partant, dans ma tête, je me suis dit... Ah, la honte ! Je me suis posé devant le bureau, j'ai allumé le PC et j'ai été sur YouTube. J'ai regardé mon fil d'actualité et je me suis rendu compte que ça faisait un mois que j'avais pas sorti de bref. Je suis remonté en haut de la page et là, incroyable, j'avais dépassé les 4000 abonnés en à peine 4 mois. Je me suis dit qu'il fallait vraiment fêter ça. Du coup, je suis descendu, je me suis posé dans le canapé et pour l'occasion, je décide d'écrire le 4e épisode de la série Bref. Je prends mon portable, j'ouvre les notes et j'écris le titre. Bref, 4. Le seul problème, c'est que j'ai pas d'inspiration. Je réfléchis à quelque chose de drôle qui m'est arrivé, mais je trouve vraiment pas. J'ai regardé mes chaussures, elles m'ont regardé, je les ai regardées, elles m'ont regardé. Je crois qu'elles cherchent à me déconcentrer. Fight ! Je dis que cette phrase pourrait faire bien dans mon histoire. Le problème, c'est que j'ai pas d'histoire à raconter. Je décide d'en inventer une et je me dis que je pourrais peut-être raconter le fait que je trouve pas d'histoire à raconter. Le problème, c'est que si je raconte le fait que je trouve pas d'histoire à raconter, du coup, j'ai une histoire à raconter. Alors j'ai préféré ne pas raconter l'histoire de l'histoire du mec qui avait pas d'histoire à raconter parce que cette histoire à raconter, personne ne la comprendrait et qu'en plus, elle était trop longue à raconter. Au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte qu'en fait tout ça, ça faisait une histoire. Alors j'ai attrapé mon tel, puis je l'ai réécrit. Bref, j'ai voulu écrire un bref. Quoi ? Vous me cherchez ? Vous faites moins les malines là, hein ? Mais allez, reviens. Fais pas la tête, je suis désolé.